Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes mercredi 20 septembre 2017 à la une ce soir. Ce ballet diplomatique à la présidence de la République, le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu tour à tour les lettres de créance des deux ambassadeurs accrédités au Tchad. Il s'agit de l'ambassadeur plénipotentiaire du Mali et celui des Émirats arabes unis. Reportage, Nassourou Djiti. N'Djamena, Abu Dhabi, Bamako, trois capitales, trois pays, éloignés l'un de l'autre mais très proches diplomatiquement. La preuve vient d'être administrée ce mercredi 20 septembre 2017 au palais présidentiel. Jadi consulat, le Mali ouvre sa première représentation diplomatique en terre tchadienne. L'honneur échoua à un officier général de porter au summum la coopération liant Bamako à N'Djamena. C'est dans un décor de civilité protocolaire millimétré que le général de division, Gassama Sadio, a officiellement remis au chef de l'État, Idriss Déby Itno, les lettres de créance par lesquelles Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali, l'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès de la République du Tchad. Bon connaisseur du dossier tchado-malien, le général de division Gassama Sadio ambitionne de fluidifier l'axe Bamako-N'Djamena dont les deux présidents et les deux peuples respectifs s'apprécient mutuellement pour avoir écrit leur destin commun au prix du sang. En ouvrant cette ambassade, je sais que les attentes sont grandes. Il faut relancer la coopération entre le Mali et le Tchad dans tous les domaines. Domaine économique, domaine scientifique, domaine culturel, domaine militaire ou autre. Et je sais que cette coopération avait déjà démarré. Parce qu'en 2007, il y a eu la création de la grande commission mixte Mali-Tchad. Je pense que nous allons travailler pour que nous puissions rapidement, dans les jours à venir, essayer de provoquer une réunion de cette grande commission pour que les relations entre le Tchad et le Mali puissent aller de l'avant, conformément à la volonté de chef d'État. La soixantaine révolue, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès de la République du Tchad, le général de division, Gassama Sadio, est marié et père de 9 enfants. Autrefois, la représentation diplomatique des Émirats arabes unis au Tchad était basée à Khartoum au Soudan. Vu la densification des relations entre les deux pays frères et amis et les contacts permanents entre les autorités émiraties à divers niveaux, notamment le président des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées de l'État des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan et Cheikh Mohammed Ben Rashid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, Abu Dhabi a souverainement décidé d'ouvrir sa première ambassade au Tchad. Mohamed Al-Shamsi, ex-directeur de la coopération au ministère émirati des Affaires étrangères, est promu par son pays en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis au Tchad. Unique État fédéral du monde arabe, Abu Dhabi veut à travers son diplomate qui sera désormais basé au Tchad, rapprocher les deux peuples frères. Les multiples visites d'amitié et de travail du chef de l'État, Idriss Déby Itno, en terre émiratie, l'organisation le 13 septembre dernier à Dubaï du Forum économique pour les investissements au Tchad laisse entrevoir l'excellence des relations entre les deux pays frères. Officier supérieur de son État, Mohamed Al-Shamsi, qui est à son premier poste d'ambassadeur, est marié et père de 4 enfants.